mes amis privilégiés qui êtes ici. Ce soir, ensemble, nous assisterons, non, nous participerons au déroulement du grand mystère de Jésus. Nous suivrons l'homme de douleur qui nous a aimés jusqu'au bout et n'a pas fait semblant d'aimer. Ce n'est pas pour rire que j'étais aimée, dira Jésus à Angèle de Foligno. Nous serons donc ce soir finalement ramenés au pied de la croix. Devant ce mystère de la croix, résurrection, croix, seul l'Esprit Saint peut nous faire demeurer dans la paix. Car Jésus nous redit que celui qui veut marcher à ma suite prenne sa croix dans l'amour. Marie, aide-nous à communier au dessein d'amour du Père pour le salut du monde. Pour le bon déroulement de cette pièce, comme la foule jadis, vous serez appelés à contribution. Nous vous demanderons de crier ces mots horribles qui incitèrent Pilate à condamner Jésus. Chaque fois que Claudius l'indiquera et que nous dirons « À mort » ou « Crucifie-le », nous penserons à nos péchés ou à notre vieil homme qu'il faut faire mourir. Ce sera plus facile. Judas Iscariote, l'un des douze, s'en alla auprès des grands prêtres pour leur livrer Jésus. Attends, Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Il dit : Allez à la ville chez un tel et dites-lui : Le maître dit : Mon temps est proche. C'est chez toi que je célèbre la Pâque avec mes disciples.
Les disciples firent comme Jésus le leur avait prescrit et préparèrent la Pâque. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. La paix soit avec vous. Autant aujourd'hui, la tâche de la liberté était réservée aux esclaves. Mais que veut-on enseigner Jésus? Les apôtres se révèlent, ils sont de plus en plus étonnés. T'abaisse, mon cher Jésus. Jésus, ô Jésus, que tu nous aimes. Jamais. Tant que je suis en vie, je ne le permettrai pas. Ce que je fais, tu ne le comprends pas. Plus tard, tu comprendras. Laisse-moi faire. Fais tout ce que tu veux. Coupe-moi la tête, le cou, si tu veux. Mais me laver les pieds, jamais. Si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas part à mon royaume, Pierre. Oh mon doux maître. Alors, lave-moi tout entier. Les pieds, les mains, la tête. Mais quand Jésus se penche sur ses pieds, Pierre, son frère, du dernier serviteur. C'est lui qui n'en peut supporter. Je suis un pécheur, maître, pas à moi. Tu étais pécheur, Matthieu. Maintenant, tu es l'apôtre. Je te bénis. Ses pieds, comme ils ont fait du chemin pour avancer vers Dieu. Thank you.
Puis Jésus passa à chacun pour leur laver les pieds. Quand il eut terminé, il reprit son vêtement et leur dit: venez près de moi, mes amis. Comprenez-vous bien ce que j'ai fait? C'est un exemple que je vous ai donné. Mes amis, je vous ai promis un miracle d'amour, et c'est l'heure de le faire. C'est pourquoi j'ai décidé de manger cette Pâque avec vous. Il n'y a pas de plus grande chose que celle que je vais faire. Rappelez-vous-en. Je m'en vais. Mais nous resterons unis pour toujours. Grâce au miracle que j'accomplis. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang qui sera répandu pour vous en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, vous tous allez succomber à cause de moi cette nuit même. Même si tous succombent, moi je ne succomberai pas. En vérité, je te l'ai dit, Pierre, cette nuit même,
avant que le coq chante deux fois. Tu m'auras renié trois fois. Même s'il me fallait mourir pour toi, Jésus, jamais je vais te renier. Moi non plus. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais pour vous préparer une place. Et je reviens vous prendre avec moi. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Voilà si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe? En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table, tout contre Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et dit, « Demande quel est celui dont il parle. » Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus s'en approche, l'heure de se séparer de ses disciples, l'heure de présenter de s'aimer les uns les autres. Il se veut répondre par vous, mais la tristesse de son sourire les touche profondément. Il veut les aimer de ses S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais gardez courage. J'ai vaincu le monde. Oui, il leur promet l'Esprit-Saint, qu'il leur rappellera tout ce que Jésus leur a enseigné. Père, je ne prie pas seulement pour eux. Mais je prie aussi pour tous ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Garde-les dans ton amour, Père. Venez, mes amis, allons au Gethsémani.
selon sa coutume, au mont des Oliviers, de l'autre côté du Cédron. Il y avait là un jardin. Jésus y entra avec ses disciples. Restez ici, pendant que je vais prier là-bas. Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. Prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Sois en paix, maître. Nous verrons et nous prierons. Tu n'as qu'à nous appeler et nous viendrons. Aide-moi. S'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux, Père. Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus insistante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Mais lui, il a été écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Yahvé a fait retomber sur lui nos péchés à tous. Levez-vous. Allons. Hein? Celui qui me trahit est proche. Hein? Quoi? Allons. Debout. Le frère. Réveillez vos compagnons. Thank you.
comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, et avec lui une bande nombreuse, armée de glaives et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Or le traître leur avait donné ce signe, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Salut, Rabbi. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Judas! Or Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança. Qui cherchez-vous? Jésus, le Nazaréen. C'est moi. Allons, debout. Qui cherchez-vous? Jésus, le Nazaréen. Je vous ai dit que c'est moi. Laissez partir les autres. Allez. Allez. Afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, ceux que tu m'as donnés, je n'en ai pas perdu un seul. Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Oh! Il m'a coupé l'oreille! Vous, attrapez-le! Jésus lui toucha l'oreille et le guérit. Puis il leur tendit ses mains pour être pris.
Quant à Pierre, il suivait de loin. Comme ils avaient allumé du feu au milieu de la cour et s'étaient assis autour, Pierre s'assit au milieu d'eux. Cependant, Pierre était dehors, dans la cour. Je te regarde, toi, là. Tu ne serais pas un Galiléen? Non. Je n'en suis pas. Je te reconnais ton accent. Tu es un Galiléen. Puis je ne serais pas surprise que tu serais son disciple. Non. Je ne suis pas son disciple. Je ne le suis pas. Je t'ai vu la jambée avec le Nazaréen. Tu es certainement son disciple. Je le jure. Je le connais pas. Je le jure. L'autorité romaine avait enlevé au Saint-Évêque le droit de faire exécuter des sentences capitales. Le Saint-Évêque, ayant décidé sa mort, avait besoin de l'aide de Pilate pour le condamner à mort, car le pays était occupé par les Romains. Jésus fut amené en présence du gouverneur. Ça nous épargnera un fleuve de parfum.
pour enlever le rôdeur de boucs mal lavés. Faites-les approcher. Parlez, mais soyez bref. Nous venons soumettre à Rome, dont tu représentes le divin empereur, notre jugement sur celui-ci. Quelle accusation portez-vous contre lui? Il méprise la tradition de nos pères. Soldats, reculez-moi ça. Prenez-le et jugez-le selon votre loi. C'est qu'il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Il empêche les gens de payer les droits à César. Il pousse notre nation à la révolte. Et il se prétend roi d'Israël. Es-tu le roi des Juifs? Tu dis bien. Je suis roi. Dis-tu cela de toi-même, ou si d'autres te l'ont dit de moi? Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes partisans auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais non. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Tu es donc roi? Tu dis bien. Je suis roi. Voici pourquoi je suis né et venu dans ce monde. Pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et qu'est-ce que la vérité? Tu ne réponds rien. Ils t'accusent. Moi, je ne trouve aucun mal en cet homme. Il soulève le peuple dans toute la Judée, même en Galilée où il a commencé. Il est galiléen. Tu es galiléen. Alors, des soldats, et qu'on le conduise chez Hérode. C'est un sujet de Hérode, et c'est à lui de le juger. J'accepte d'avance son verdict. Allez, allez. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords. Votre argent maudit, gardez-le! J'ai livré l'homme innocent! Vite! Vite! Une corde! Une corde, qu'on en finisse! Une corde! Vite!
lieu de succomber à la tentation du désespoir, avait demandé pardon. Il l'aurait obtenu, et Marie, de sa main maternelle et miséricordieuse, l'aurait conduit jusqu'au pied de la croix. Mon sauveur et mon espérance, en me rappelant ta miséricorde, face à mes reniements et à mes trahisons, j'espère tout par les mérites de ton sang précieux répandu pour moi. Marie, Mère douloureuse, prie Jésus pour moi. Hérode, en voyant Jésus, fut tout joyeux, car depuis assez longtemps, il désirait le voir pour ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelque miracle. Il l'interrogea donc avec force paroles, mais il ne lui répondit rien. Cependant, les grands prêtres et les scribes se tenaient là, l'accusant avec véhémence. Après l'avoir, ainsi que ses gardes, traité avec mépris et bafoué, Hérode le revêtit d'un habit splendide et le renvoya à Pilate. Il te le retourne. Encore ici. Hébreux, écoutez-moi. Je n'ai trouvé en cet homme aucun motif d'accusation. Hérode non plus, d'ailleurs. Donc, je vais le relâcher après l'avoir châtié. Maman! Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme vint lui dire en secret : Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affecté dans un songe à cause de lui. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Allez chercher Barabbas. Pilate savait bien que c'était Barabbas. Jalousie qu'on avait livré Jésus. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Et que ferais-je
de celui-ci qu'on appelle le Christ. Quel mal a-t-il donc fait? Libéré Barabbas. Et Jésus, qu'il soit flagellé. Combien de coups, comme il te semble. L'important, c'est d'en finir avec cette affaire. Va, va. Les évangélistes ne nous décrivent pas la flagellation, mais selon une révélation, Jésus est amené par les soldats dans la cour de Pilate, à une colonne.
Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. Il a compté sur Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il s'intéresse encore à lui. Il a bien dit, je suis le Fils de Dieu. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » À partir de la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Même là, il cite les Écritures. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Père, tout est consommé. » Je remets mon âme entre tes mains. En disant ces mots, il expira. Veuillez vous agenouiller. On peut s'asseoir. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Quant aux centurions et aux hommes qui, avec lui, gardaient Jésus, à la vue du séisme et de ce qui se passait, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » J'attirerai tout à moi. Aujourd'hui,
nous levons les yeux vers la croix de Jésus, ou plutôt vers Jésus élevé sur la croix, pour contempler comment, au nom de son Père, il a tant aimé le monde. Mon Sauveur et mon espérance, si donc je t'avais moins offensé, tu eus moins souffert à cause de moi. De grâce, ne me rejette pas comme je l'ai mérité. Reçois-moi dans ton amour miséricordieux. Le soir étant venu, comme c'était la veille du sabbat, Joseph d'Arimathie, aidé de Jean, descendit Jésus de la croix et le remit à sa mère. Jésus, tu as cessé de souffrir, mais celle que reçoit dans ses bras n'a pas encore atteint le terme de sa douleur. Le glaive annoncé par Siméon achève de transpercer son âme, comme la lance vient d'ouvrir ton cœur. Dans une communion totale au dessein d'amour du Père pour le salut du monde, Marie te contemple, ô Jésus, sans détourner son visage. Sainte Marie, Mère compatissante, prie pour nous, pécheurs. Je t'en prie, Mère, le soir descend, laisse-nous.
Or, il y avait un jardin au lieu où il y avait été crucifié. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. C'était un tombeau taillé dans le roc. On roula une pierre à l'entrée du tombeau. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'est enlevé. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié. » et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se rappelèrent ses paroles. Ce même soir, les apôtres sont réunis au Cénacle, ce lieu même qui a servi au dernier repas avec le maître. Leur conversation navigue entre le repentir et la honte, entre l'amour et la peur, entre le doute et la foi. Ils ont verrouillé les portes par peur des Juifs. Abandonné, mais pourtant sa résurrection nous prouve qu'il est vrai.
qu'est-ce qui me fait trembler? Je me cracherai la tête, même ce matin au tombeau. J'avais même peur de le voir. Et puis, tu es entré le premier au tombeau. Mais n'aie pas peur comme ça. On dirait que tu ne le connais pas. Oui, mais toi, Jean, tu étais à la croix, tandis que nous, on s'est tous sauvés. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Tu as raison, Jacques. Moi, je vais rejeter ses pieds en lui demandant pardon. Saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. Pourquoi tout ce trouble? Et pourquoi des doutes montent-ils dans votre cœur? Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et demeurait saisi d'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus a fait, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Thank you.